Qu'est-ce qu'il y a du trop de beau, hein? Vous êtes directeur adjoint à la direction générale de l'immigration, au directeur technique adjoint. Aujourd'hui, la direction générale de l'immigration est en train de préparer l'inauguration officielle de son nouveau bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous retracer un peu l'historique de ces bâtiments? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Les travaux de la construction de ce nouveau bâtiment ont commencé depuis 1988 avec le parti État, à l'époque des partis État.
Et ces travaux ont été arrêtés en 90 avec la création des SNIP. Ces travaux étaient initiés par l'ancien administrateur général de l'ANI à l'époque. Il a fait venir. Il fallait attendre le mois de juin 2002 avec l'actuel directeur général des migrations, M. Pierre Yambouya, pour parachever les bâtiments que vous voyez. Oui, c'est bien beau, vous venez de construire un bâtiment, aujourd'hui tout le monde est content de voir ces nouveaux bâtiments. Et bon, enfin, je voulais, quelle est l'initiative, pourquoi ces bâtiments, quelles sont les directions qui vont abriter ces bâtiments? Ok, merci. À l'époque des partis État, l'ancien administrateur général a conçu ces bâtiments à un niveau, c'était pour abriter la direction générale de la, et la direction de la chancellerie. Mais avec notre directeur général de la DGM, il prévoit que ce bâtiment, comme c'est à deux niveaux, abritera la direction de la chancellerie et la direction de la police des étrangers. Tout ceci, c'est pour limiter les entrées des requérants dans nos bâtiments. Ils vont se limiter seulement dans les premiers bâtiments, c'est-à-dire les bâtiments de la chancellerie. Oui, monsieur le directeur, c'est vraiment une fierté pour la République démocratique du Congo d'avoir des beaux bureaux pour un service qui doit accueillir les étrangers. Mais je voudrais savoir pourquoi un seul niveau à côté d'un géant de l'eau congolais. Voilà, si on est arrivé à un seul niveau, c'est question de moyens. On n'avait pas beaucoup de moyens, c'est avec les moyens des bords que le directeur général s'est battu pour arriver jusqu'à ce niveau-là. Et les soucis majeurs des directeurs généraux, c'est pour éliminer ce qu'on appelle chez nous ici à la DGM le phénomène sous les manguiers. Il fallait que tout le monde soit dans des beaux bureaux pour qu'ils fassent de très bons rapports à la hiérarchie. Oui, monsieur le directeur général, quel est le mot que vous pouvez dire aux agents qui vont bientôt occuper ces bureaux? Oui, pour les agents qui vont bientôt occuper ces bureaux, je vais leur demander seulement de bien conserver. C'est un bijou pour la République démocratique du Congo et pour, en général, et pour la DGM en particulier. Ils doivent bien les conserver et bien l'entretenir pour les générations futures. Thank you.
Come on.
Messieurs les représentants des États généraux de l'immigration, mesdames et messieurs, l'ordre du, à savoir, l'inauguration du protocole se propose rapidement de vous donner un invité pour donner le discours. Nous allons avoir l'honneur d'inviter pour la visite guidée du bâtiment. Laquelle visite? Bien après cela, le protocole s'est proposé d'offrir, avant l'honneur de recevoir M. le directeur du cabinet adjoint, M. le directeur général des migrations, représenté personnellement par le directeur de cabinet adjoint, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellence, messieurs les ambassadeurs et distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la date de ce jour restera bien marquée en lettres brillantes dans les annales de la République démocratique du Congo. C'est celle, en effet, où pour la première fois la Direction générale de migration inaugure son bâtiment administratif. Je saisis donc cette occasion solennelle pour vous souhaiter la très chaleureuse bienvenue à cette manifestation. Au nom de tout le personnel de notre institution, je vous remercie tous pour avoir bien voulu rehausser de votre présence cette grandiose cérémonie. En même temps, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir de gratitude infinie envers Son Excellence Monsieur le Président de la République, le Général-Major Joseph Kabila, pour avoir placé en moi sa confiance suprême, en me confiant la lourde tâche de diriger cette grande institution
stratégique en matière de sécurité publique. En effet, né des cendres de l'Agence nationale d'immigration ANI, la Direction générale de migration se félicite aujourd'hui d'avoir redoré l'image de notre pays par la qualité humainement appréciable en matière de migration, pour que les êtres humains sans distinction raciale puissent avoir la volonté de réhabiliter ce qui était autrefois l'État indépendant du Congo, le Congo belge, la République du Congo et la République démocratique du Congo, avant d'embrasser la triste appellation du Zaïre avec sa fâcheuse zaïrianisation qui a conduit notre grand pays dans les ténèbres jamais connues depuis l'existence de notre monde, et dont les conséquences néfastes et incalculables se vérifient encore à ce jour. Ainsi, plusieurs occasions nous ont permis de présenter les grandes lignes de la politique de la Direction générale de migration en matière de développement. Celle-ci s'est engagée à contribuer, par l'exploitation judicieuse de ses services, à promouvoir l'essor de notre pays. Le bilan des activités depuis 1997 en est de la création de l'organisation se résume en 1. Réalisation d'une banque de données des étrangers établie en République démocratique du Congo dans la configuration de la période de la guerre, car jusqu'alors, la Direction générale de migration n'a pas encore la gestion de l'ensemble du territoire national. Organisation des multiples sessions de formation des cadres et agents. 3. Participation aux rencontres de coopération régionale en matière sécuritaire et économique. 4. Prise de plusieurs contacts bilatéraux avec divers pays, notamment avec la France, dont la coopération est fructueuse dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains. De même, la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse, avec lesquels les contacts sont très avancés, ainsi que toutes les ambassades et compagnies aériennes se trouvant sur place en RDC. 5. Plusieurs tentatives réussies pour l'amélioration technique de travail dans nos frontières et plus particulièrement à l'aéroport international de Niger. Miroir de tout pays du monde, les services d'immigration doivent d'une manière permanente être performants, et plus particulièrement la police des frontières, dont nos efforts se déploient toujours davantage, bien qu'il y ait encore plusieurs points d'ombre pour le bon fonctionnement de nos frontières par la non-application du décret 036/2002 du 28/3/2002, portant désignation des services de l'État habilités à exercer publiquement aux frontières de la République démocratique du Congo. Cette situation nous fait encore revivre d'une manière ou d'une autre certains épisodes aéroportuaires de triste mémoire. Quant à la police des étrangers, qui en fait dans tous les pays du monde gère la présence des étrangers, la Direction centrale de la Direction générale de migration s'est fait une grande violence pour corriger les très mauvaises pratiques administratives en la matière tissée entre 73 et 8 juin 2002. Aujourd'hui, tous les étrangers vivant dans notre pays depuis l'époque coloniale, la Première et la Deuxième République sont témoins. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a un aspect qui se cache en République démocratique du Congo d'aujourd'hui, la redécouverte des racines du développement du Congo belge. On la découvre à la Direction générale de migration dans sa lutte infinie pour le changement des mentalités de l'homme dans ce vaste pays de 2 345 000 km². Pour que les Congolais entrent dans le concert mondial des hommes soucieux
d'être heureux dans la paix, de sorte que les autres êtres humains étrangers puissent définitivement considérer la République démocratique du Congo comme leur seconde patrie. Le Congo belge était l'espoir de développement à travers sa scandaleuse potentialité de richesse naturelle. À ce point, beaucoup de Congolais sont devenus heureux dans d'autres pays du monde. Ainsi, avec notre politique de la Direction générale de migration, tous les étrangers d'origine congolaise peuvent le témoigner, car plus de 60% de demandes de régularisation de ce jour provient d'eux, alors qu'ils étaient des irréguliers clandestins dans leur propre pays. Voilà, chers frères étrangers belges, français, britanniques, portugais, grecs, hollandais, allemands, américains, canadiens, australiens, ivoiriens, etc., d'origine congolaise. Nous disons que pour le moment, des grands projets doivent s'enraciner sur les décors laissés par les Belges dans le domaine des infrastructures afin de refonder une société plus prospère. Et vous devez dire à vos enfants qui naissent dans des pays du bien-être social qu'il n'y a aucune différence entre cette paix sociale de la Belgique, du Canada, de la France et que c'était l'ancien Congo belge jusqu'à la fâcheuse zaryanisation en 1973. Vous êtes les bienvenus dans le pays de vos ancêtres. Et ce beau bâtiment que nous inaugurons aujourd'hui s'inscrit exactement dans le souci du décor laissé par les Belges. Car pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, tous ces vieux bâtiments administratifs de la Direction générale de migration date de l'époque coloniale, jusqu'à un très récent passé, la Direction générale de la Régie des eaux. L'effort consenti pour la réalisation de cette œuvre est la traduction pratique de l'enseignement du feu président Laurent Désiré Kabila. Je cite « Organisez-vous dans vos milieux ». Fin de citation. La Direction générale de migration n'a reçu aucun subside de l'extérieur en dehors des privations et sacrifices de ses cadres et agents pour qu'elle arrive aujourd'hui à cette belle inauguration. Œuvre entièrement réalisée par les diverses compétences que regorge la Direction centrale technique de la Direction générale de migration. La seule chose dont nous avons bénéficié, c'est cette grande confiance de 23 mois de gestion placée à la Direction générale par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Général-Major Joseph Kabila, que nous ne décevrons jamais. Sans oublier tous les diplomates accrédités en République démocratique du Congo, dans leur infini soutien moral, qui, dans son ensemble, constitue une véritable conscience de la réhabilitation de la République démocratique du Congo. D'une part, nous vous annonçons les très prochaines réalisations de la Direction générale de migration, car la toiture de la grande maison basse à l'intérieur de l'enclos sera modifiée avec urgence à partir de cette saison sèche et à son lieu, on aura une terrasse moderne, encore une fois à travers le décor laissé par les Belges. D'autre part, dans l'enceinte de notre direction provinciale de Kinshasa, nous avons transformé les anciens cachots de l'ex-Agence nationale d'immigration de triste mémoire en une polyclinique moderne dans le souci de répondre positivement aux exigences qui permettent à l'homme de prolonger sa vie. Un lieu où jadis on avait peur d'être invité est en train de devenir un endroit paisible pour les soins de santé des cadres et agents de la Direction générale de migration ainsi que les membres de leur famille. À ce propos, la première phase dite ambulatoire est arrivée à son terme dans une admirable beauté, tandis que la seconde, celle des salles d'observation et hospitalisation,
sera entièrement opérationnel dans 45 jours. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, j'aimerais, avant de terminer ces propos, autant vous exprimer les vœux dictés par la vision qui est la nôtre. 1. Les facilités accordées aux étrangers sérieux par l'octroi aux conditions allégées des divers documents relevant de la compétence de la Direction générale de migration. L'amélioration sensible des conditions de travail et de vie du personnel de la Direction générale de migration pour les soustraire entièrement de toutes les tracasseries administratives d'avant le 17 mai 1997, car l'immigration est le miroir d'un pays et on ne peut pas se faire beau devant un miroir sale. 3. La Direction générale de migration est l'unique service d'immigration au monde qui ne bénéficie d'aucune taxe ni redevance et pourtant indispensable pour son bon fonctionnement et surtout dans la prévention de la lutte contre le terrorisme, l'immigration clandestine et la traite des êtres humains. Aujourd'hui, tout le monde doit savoir que la Direction générale de migration n'encaisse pas de l'argent du trésor public. À l'acquittement des frais de visa et autres documents, les requérants versent au guichet de la Banque centrale pour le compte de la DGA. En retour, la Direction générale de migration n'a que 5% de rétrocession sur les recettes réalisées dans une gymnastique jamais vue sous d'autres cieux. Que la Direction générale de migration puisse bénéficier de toutes les recettes qu'elle génère, à l'instar de certaines entreprises publiques de l'État, et vous pouvez seul deviner les résultats. 5. Aux cadres et agents de la Direction générale de migration, soyez les dépositaires d'une administration migratoire accueillante. Ayez dans vos cœurs une conscience nationale constructive pour garantir la sécurité publique des êtres humains, sans distinction raciale en République démocratique du Congo. Une terre d'avenir pour tous. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. L'espace est allé.
comme ça. Allez comme ça. Donc là, pour la première fois, c'est quand même dans la nuit. Ce sont là les premières images lorsqu'on a commencé les travaux ici à la direction générale de l'immigration. Avec votre autorisation, vous pouvez suivre un élément de 10 minutes ou soit nous mettons à votre disposition la cassette pour vous appeler. Merci, monsieur le ministre. Ce qui est intéressant, parce que du dehors, on ne voit rien à l'intérieur. Oui. Donc comme là maintenant, on peut tout voir, mais comme c'est le l'extérieur, personne ne peut le voir. L'excellence ne se réalise que dans un environnement sain. Aussi l'occasion de l'inauguration de ce beau bâtiment de la DGM, je voudrais rappeler que l'image d'une nation s'est faite au premier contact avec l'administration de l'immigration. Bravo, monsieur le DG. Signé, professeur Mopap Saïd. Dirkaba, le chef de l'État, et son représentant personnel pour l'occasion. Après la signature. Oui.
20 mai 2004. Au nom du corps diplomatique à Kinshasa, j'ai l'honneur et le plaisir de féliciter le directeur général de migration de ce magnifique immeuble. En tant que mon pays, je vous assure de notre appui quotidien. Représentant du corps diplomatique accrédité à Kinshasa, l'ambassadeur des Pays-Bas. Papa, ils sont là, ils sont là. Monsieur, on va faire la salité pour que vous. C'est quoi ça? Personnel du chef de l'État, son Excellence, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Lire à vos ordres. Sous quel signe placez-vous le geste que vous venez de poser tout à l'heure en inaugurant ces nouveaux bâtiments pour la DGM? Le futur du pays, le futur doit être fructueux, donc c'est-à-dire nous devons montrer, nous devons faire la preuve de bonne volonté, c'est seulement la bonne volonté. Et un message des agents et cadres de la DGM? Je l'ai déjà dit, on soit vraiment des dépositaires d'une immigration accueillante pour l'essor de notre pays. Et où avez-vous trouvé l'argent pour construire ce bâtiment? Mais je l'avais dit, le feu président Laurent Désiré Kabila le disait toujours comme ça, organisez-vous dans vos milieux. C'est des moyens internes dont nous n'encaissons pas, comme je l'ai dit dans mon discours, donc à des petits frais administratifs que la DGM. On peut avoir une idée sur l'enveloppe globale?
Nous sommes encore, les travaux ne sont pas encore terminés parce que vous savez que nous devons démolir la toiture qui est là. Si vous me posez la question entre mi-juin, je vous dirai le montant global. Ça fait combien de temps? Exactement, d'autres 20 mois. 20 mois de travail. D'accord, merci. Okay. Je suis obligé. C'est quand même la fête. Adrianus. Willy, comment est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que vous avez fait? Alati nani nzamba la moko ver 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 bu ah ye wana kuna
Thank you.
Thank you.
Alors, tu invité chaque samedi, chaque dimanche. Chaque samedi, na mobile guida na rampe oliari. Chaque dimanche, na gamba oga. Mani,
Eso, eso, que cuando, cuando, que cuando.